L'ancien ministre de l'Intérieur a bel et bien participé fin mars à un déjeuner dans un appartement, organisé par le cuisinier Christophe Leroy, mis en cause pour des dîners clandestins. Le 10 avril 2021, auprès de l'AF, Brice Hortefeux a confirmé l'information révélée plus tôt par Mediapart. Le repas était un déjeuner professionnel avec le journaliste Alain Duhamel, parce qu'on m'a garanti que c'était légal, dans une pièce isolée d'un appartement, a expliqué le redéputé Les Républicains. Si est-il un appartement privé et pas un restaurant, on me l'a présenté comme un business club. Nous étions moins de 6, aucune règle n'a été enfreinte, a insisté Brice Hortefeux, jugeant très dérangeant l'amalgame avec ces soirées illégales pour lesquelles Christophe Leroy fait l'objet d'une information judiciaire. Pour rappel, Brice Hortefeux a occupé plusieurs fonctions ministérielles sous la présidence de Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2012, dont celle de ministre de l'Intérieur entre 2009 et 2011. Le cuisinier Christophe Leroy et le collectionneur Pierre-Jean Chalençon, soupçonnés d'avoir organisé à Paris des repas luxueux clandestins, notamment au Palais Vivienne, ont été placés quelques heures en garde à vue vendredi. La diffusion d'un reportage par M6 le 2 avril sur des dîners clandestins fastueux à Paris a déclenché une vive polémique. Un des organisateurs, identifié comme étant Pierre-Jean Chalençon, affirmant avoir dîné dans la semaine dans 2-3 restaurants clandestins où il aurait croisé des ministres. L'adepte de Napoléon Ier, révélé dans l'émission Affaires conclues, a depuis multiplié les prises de parole contradictoires dans les médias, expliquant notamment qu'il s'agissait d'un poisson d'avril.